ça c'est à Montréal. Moi, j'étais acteur d'autisme. Puis j'avais entendu parler de Michel, puis à un moment donné, Pat Burke, qui était le gars du CCF, là, qui était directeur au Québec, il m'avait invité pour une assemblée politique, puis j'étais allé là, puis c'était Mme Carsgrain, puis il y avait Michel. Puis moi, j'avais trouvé qu'il avait fait un maudit bon discours, fait que j'étais allé le trouver après, puis on avait jasé. Puis là, ben finalement, j'avais signé ma carte du NPD, puis je suis devenu ben chum avec Michel par la suite. Savais-tu que j'avais été président, moi, du Parti social-démocratique de 57 à 59, quelque chose comme ça, là. J'étais président. J'étais président, puis Michel était leader. On avait du fun, on faisait des déclarations. Ça n'a pas regroupé beaucoup de monde, ça. Le Parti social-démocratique, non. On a brossé des affaires. J'avais... tu sais comment j'étais devenu président, hein? Il y avait eu un meeting chez Pierre-Louis Gélina. Pierre-Éliott Trudeau, Pierre Vaudebonkoeur, tout ce gang-là. Puis là, Bill Dodge était président du parti, lui, au Québec. Puis Bill Dodge, ben c'était un bon gars, mais c'était un anglophone. Ça fait qu'eux autres, les serfs, là, ils ont décidé que c'était mieux que ce soit un francophone. Fait que moi, j'avais proposé Pierre-Éliott Trudeau pour être président. Fait que Pierre-Éliott Trudeau dit non, je crois que ça devrait être un travailleur. Ça fait qu'il m'avait nommé, puis j'avais été élu. Ça fait que j'avais été nommé par Pierre-Éliott Trudeau pour être président du Parti social-démocratique au Québec. Ça fait que je l'ai été 2 ans. Puis j'ai été battu par un pape, et j'appelais un pope, au bout de 2 ans. Qu'est-ce qu'il faisait là, Trudeau? Il m'a battu, pardon? Qu'est-ce qu'il faisait là, Trudeau? Ben, Trudeau, c'était un gars qui prétendait être socialiste, hein, je veux dire. Il prétendait être socialiste, donc il faisait partie du... Il était membre du Parti social-démocratique, là, avec Mme Carsgrain, puis tout ça. Puis... c'est pour ça qu'il était là, c'est parce qu'il était... C'était un des sauveurs de la race, là, tu sais. En haut de la montagne. Trudeau, moi, j'ai contribué avec lui, j'ai déjà contribué avec lui puis d'autres, là, à rédiger des articles pour... Moi, j'ai pas rédigé, mais, tu sais, on avait une espèce de comité de rédaction qui examinait les articles. Puis on se rencontrait dans un restaurant, là, puis on se rencontrait dans un restaurant, puis on étudiait les articles de Cité Libre, et tout ça. Puis après ça, ben Trudeau prenait la facture, puis je veux dire, il divisait ça entre toutes nous autres, puis il mettait le pourboire, puis après ça, il nous chargeait chacun, tu sais, veux dire, lui, il est pas riche, il était assez pauvre. Ça fait que moi, ça me mettait en tabarnak que lui décide de comment on devait payer de pourboire. Puis tu sais, je veux dire, ils décident de tout nous diviser ça. Mais c'est comme ça que ça marchait. Ça fait que j'ai déjà contribué de cette façon-là à Cité Libre avec Trudeau.
l'année d'ensuite, on est allé acheter une vache. Ma mère voulait avoir une vache. Ça fait que moi, j'étais descendu à la serre, puis j'avais acheté une vache. J'ai essayé de prendre la plus intelligente de la gang, là, une belle petite vache Jersey, là, avait l'air intelligente. Ça fait que j'ai pris celle-là, puis je l'ai montée. Mais si vous voulez monter ça, montez ça à pied, moi, à partir de la serre jusqu'au canton Perron, 27 000. Il dit qu'il faut le faire en Christ, partir avec une vache de la serre au bout d'un corps, mais elle me suivait comme un chien. Puis je suis arrivé à la maison triomphalement avec la vache. Maman était bien contente, elle avait une vache. Ça fait qu'après ça, elle a eu un veau dans le printemps. Là, on avait du lait, puis on avait du beurre. Puis on avait de la crème, puis on avait du lait croyé, puis toutes sortes d'affaires de même. Puis après ça, on avait des poules. C'est ça, on s'en venait, notre affaire. Là. On avait un chien, deux petits cochons, des poules, puis une vache, puis des chevaux. Okay, ça était rendu colon. On était rendu quasiment cultivateur. Là, Messner, il était chaman, c'était un gars, un armoire à glace, il mesurait à peu près 6 pieds, 4 pouces. Il était large en conséquence. Puis quand on a switché au syndicat des métallos, là, dans ce temps-là, c'était United Steelworkers of America, là. Quand on a switché, là, il s'en vient me trouver, puis il dit, Timil, moi, je suis là qui veut éclairer toi. Il dit, oui. Il dit, moi, si éclaire toi, là, moi, je me mets debout dans pas de charpente à bandac de ça. Là, j'étais correct. Là, j'étais correct en maudit. Là, j'étais correct pour lui dire de manger de la merde. C'est pas qu'il voulait pas s'amener avec nous. Il n'y en avait pas beaucoup. Une couple de chums du curé, Paul Lévesque, puis quelqu'un qui voulait pas. Il voulait pas faire quelque chose. Puis une fois, j'étais allé avec mon chien. Mon chien avait tombé dans un trou. À peu près 25-30 pieds, tu sais, de creux, tu sais, de trous pour l'évacuation de l'eau là, qui passait dans la turbine. Puis finalement, à force de pour parler avec la gang, de voir ce qu'on était, là, tu sais, là, je veux dire, on avait... Moi, je voulais descendre pour commencer, mais là, la chienne les a poignés, d'autres parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'être capables de me remonter, tu sais, pour aller chercher mon chien. Ça fait que... Moi, j'avais appris à mon chien à monter des échelles, tu sais. Sorte d'affaires. C'est un chien bien intelligent. Ça fait que, à un moment donné, j'aperçois un bout d'échelle de 3 marches, 4 marches, quelque chose de même. Puis je ramasse du fil électrique, ça, on n'avait pas besoin d'aller loin, il y en avait partout. Hein. Puis j'attache ça, puis là, je descends ça dans le fond, puis mon chien se pogne après ça. Puis là, ben, je le monte à peu près 15 pieds, puis là, il s'échappe, puis il retombe dans le fond. Mais la deuxième fois que j'ai descendu l'échelle, là, il s'est pogné comme il faut. Puis là, on l'a monté en haut. Puis ce maudit chien-là, il s'en rappelait. Hein? Il venait m'exprimer sa reconnaissance dans le chemin en montant, puis chez nous, puis tout ça. Là, puis, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de raison. Il se garochait sur moi, il me mettait à terre, il m'envoyait à terre, il me léchait le visage, puis il n'y avait pas pire. Il n'y avait pas de raison, sans aucune raison. C'est juste parce qu'il se souvenait. Il se souvenait, puis il y avait de la reconnaissance. Ce qui est des qualités que bien des humains n'ont pas. Je me disais que toi, tu dois être un beau aussi comme ton chien. Tu t'en lis les affaires quand tu te rappelles. Il y a une mémoire longue. Bon, ouais, c'est ça. J'ai appris bien des affaires de mon chien. De hobo, ça. Mais t'as mes chums avec un ami Mulligan. C'était un gars qui admirait bien l'ennemi public numéro 1 de Linger. C'était du gibier de prison, tu sais, je veux dire. Je pense qu'il devait sortir d'une école de réforme. Puis une fois, on était parti pour aller au Mexique, parce qu'au Mexique, je veux dire, tout le monde vient riche, ça, tout le monde sait ça, je veux dire. Ça fait qu'on était parti pour aller au Mexique. On s'était fait débarquer à Rose's Point. Gonzadi, dit. T'as passé l'autre bord, ils vont vous mettre en prison. Ça fait que la pure nous a pogné. Ça fait qu'il dit reprenez le fret. Ça fait qu'on a repris le fret. On a repris le fret. Moi, j'ai toujours eu
des très bonnes relations avec les hobos. Là, ben, les hobos, c'était pas des vrais hobos. C'était des gars qui, tu sais, je veux dire, ils étaient. C'était des gars qui trouvaient pas de job, ils trouvaient rien à faire. Ça fait qu'il fallait bien qu'ils gagnent, il fallait bien qu'ils s'arrangent pour manger un peu, tu sais. Je veux dire, ils volaient un peu, ils se faisaient des jungles. Ils se mettaient tout ensemble. Il y en a qui étaient. Jungle, c'est. Ils se mettent tout ensemble, puis il y en a un qui va se bommer un morceau de viande, puis d'autres, ils vont se bommer des légumes, puis ils mettent ça dans un chiot, puis ils font cuire ça, puis ils mangent ça, tu sais, je veux dire. Ils mangeaient ça. Il y avait un gars qui était allé chez le boucher une fois, puis il avait demandé. On est après se faire une jungle, donnez-vous un petit morceau de bœuf, tu sais, puis il monte ça comme ça. Le boucher, il dit, Chris, il dit, ça va être le bœuf. Ah, il dit, c'est selon votre cœur. Il venait souvent bomber chez nous, hein. Il savait qu'on était pauvres, mais il nous demandait des affaires qu'on avait. Comme par exemple, on avait un petit jardin, il y avait des oignons dedans. Il nous demandait un oignon, un bouton du poivre, du sel, des affaires de même, tu sais. Mais il nous écœurait pas avec ça. Il savait qu'on était pauvres, nous autres aussi. Puis, hein. Il nous écœurait pas avec ça. Nous autres, on en gardait chez nous. Là. Il y avait des Acadiens, là. On gardait ça chez nous. Couché en haut, dans le grenier. Se faire manger par les punaises comme nous autres.